Énergie. Hit Music Only. Il est 8h02, on est lundi, bonjour tout le monde, bon réveil. Salut à vous. Il a des petits yeux ce matin, mais il s'est levé pour venir nous voir. Il se frotte encore les yeux. Patrick Ridremont est avec nous, salut Patrick. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Comment ça va? La pêche, non, mais j'ai pas les petits yeux. J'ai une grande envie, des petits yeux, une grande envie d'être là. C'est une torture pour toi, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Non, c'est pas une torture, sérieusement, le lundi je suis fit et ready. Il y a des jours où je me réveille plus tôt. C'est un mensonge. Le mercredi, je me lève assez tôt parce que je donne des cours à l'IEX à 8h30. Je suis professeur, moi, maintenant. Sérieux? Oui. Je suis professeur à l'IEX, je donne cours au deuxième. Ils ont entre 20 et 22 ans. Mais le jour où ça a été annoncé, ils sont barrés quand même. Ils se sont bien marrés parce que c'était juste dans la quinzaine qui suivait ma publicité à poil pour McDonald's. Donc ça faisait pas très crédible auprès de mes étudiants et mes étudiantes. T'as rattrapé ta crédibilité depuis? Je me suis habillé. Toutes les semaines, j'ai remis un vêtement. Ouais, ça m'aurait bien plu aussi, l'autre version. Mais bon. Oh mais j'avais oublié qu'il était si mignon. Mademoiselle, vous manquez quelque chose, mais vous inquiétez pas, on filme tout, on prend des photos et on vous met tout ça sur le site d'Énergie. Ce sera tout à l'heure sur le site du 6-9. C'est ta petite visite annuelle en fait. L'année passée, t'étais venu nous voir aussi. Petite visite annuelle. C'est comme le docteur. Oui. C'est la visite médicale. Qu'est-ce que tu veux qu'on contrôle quoi? Tu m'as fait un peu peur. C'est ta petite visite annuelle. Cette année, je suis venu vendre, finalement pas que moi, je suis venu vendre un festival d'humour en général. Premier festival d'humour du monde. Ouais, absolument. Ça va se passer à partir du 25 octobre. Absolument. Qu'est-ce qui va s'y passer? Bon, alors des tas de trucs, des spectacles sur scène, enfin il y aura des artistes qui vont aller faire rire des gens sur la scène, dans les cafés même. Il y aura aussi des expositions, des concours, du cinéma, donc ça rassemble. Oui, je t'écoute. Non, ça va se passer un peu partout. Un peu partout à Saint-Josse, mais uniquement à Saint-Josse. Hein, c'est vraiment basé sur Saint-Josse, où ils se sont rendus compte qu'il y avait, enfin ils le savaient depuis longtemps, plus de 150 nationalités différentes. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un festival qui ressemble à la commune, on va faire venir du monde d'un peu partout, mais tout ça en langue française. Ah non, il y aura même de l'humour en flamand, d'ailleurs, pour l'instant. L'humour est en flamand. Il y en a beaucoup. Tiens, justement, comme c'est des humoristes du monde entier, ce matin, avant d'écouter James Blunt avec Stay the Night, petit test pour toi. Je vais te donner trois pays. Oui. Et tu vas nous faire une blague internationale, donc ce matin. Hein. Rien que ça. Alors, incontournable en ce moment, Chili, Belgique et Portugal. Tu nous mixes tout ça dans une blague. Tu peux nous demander un temps de réflexion si tu veux. Alors, Cyril. Hein. Oh là 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 là. T'imagines la colle que tu lui poses. Donc, je vais raconter une blague avec tout ça. Ok. Ouais. Allez. Bon, c'est l'histoire d'un mineur du Chili. Qui va pour les boîtes du cachier pour voir qu'avant lui, il y a des gens qui n'ont pas eu beaucoup la chance de sortir du trou. Et il arrive, je ne sais pas quelle est la chute. Hein. probablement 700 mètres de profondeur. Oh. La chute. Attendez, il y a un happy end à la fin quand même. Oui, non, mais bien sûr. Bon, alors, c'est une histoire, c'est la Belgique qui est tellement dans l'impasse qu'ils ont décidé d'aller prendre des mineurs au Chili. Putain, les gars, vous êtes vaches, quoi. C'est horrible. Sous les mois avant de demander ça. Et alors le Portugal? Oui. C'est ça? Non, quantité négligeable, le Portugal. Le Portugal, il y a des mines au Portugal? Oh bah écoute, si tu veux, il y en a. Donne-moi 2 minutes pour écrire une blague. Écoute, où il y a des œillets, des mines et je sais pas, du bacalao. En fait, c'était une fausse invitation à faire une blague. C'était carrément impossible, mais t'as eu le courage de te lancer. J'en ai une. C'est un Chilien, un Portugais et un Belge qui rentrent dans un café à Liège. Ouais. Et le patron fait: oh non, hein, si c'est pour une blague, dehors. D'accord. Oui, voilà. Merci. Et bravo. Je m'en sors comme je peux. C'est pas facile, le réveil n'était pas prévenu. Tu vas nous parler du festival d'humour du monde dans un instant. Tu vas pouvoir participer au blind test aussi avec nous, aider les auditeurs qui s'inscrivent maintenant pour repartir avec vos places pour le Energy Music Tour à Paris ce samedi. Il y aura sur scène James Blunt, Jennifer Grégoire, Julian Peretta, Shaim, Amel Bent, Mpokora et plein d'autres. Inscription en envoyant musique par SMS au 6018. On se fait le blind test juste après James Blunt. C'est Stay the Night sur Energy. Le dernier Shakira à l'instant, c'était Loca sur Energy. Pour la suite, on écoutera Ben l'Oncle Soul. Ce sera Soul Man dans quelques petites secondes. On va également appeler les renseignements avec le président pour la blague pourrie. Et avant, on retrouve Patrick Ridremont, qui est notre invité ce matin. Jusqu'à 9h, Cyril et Isa sur Energy.
Bon, on t'a fait beaucoup bosser depuis tout à l'heure. Ouais. Blague un peu pourrie avec... Enfin, pourrie, je ne me permets pas. Blague pas facile à faire, disons. Non, défi pourri et blague de merde. Ouais, ok, j'ai compris, c'est bon. Tu t'en es bien tiré, d'ailleurs. Ah, merci. Horoscope interne... Oui, non, mais elle veut coucher avec toi aussi. Donc... c'est pour ça que je disais merci. J'avais anticipé la question suivante. T'es pas obligé d'être si cash, être si direct. Je m'en charge moi-même après. Bon, d'accord. Elle veut t'embrasser, aller au resto, tout ça. Voilà. C'est ça. Et puis l'horoscope international, il y a quelques minutes. Tout ça parce que tu... Et le parrain du premier festival Humour du Monde. Ça se passe à partir du 25 octobre jusqu'au 31. Ouais. Et qu'est-ce qui va s'y passer? Il y a de l'humour donc un peu de tous les pays. Je vais avouer que je ne connais pas la programmation complète. Quoi? Non, parce qu'elle est énorme. Non, mais il y a beaucoup de trucs. En plus, c'est éclaté, c'est dans plein de lieux différents, toujours sur Saint-Josse. Donc il y aura, comme je disais tout à l'heure, des spectacles sur scène, des expositions, il y aura des films, il y aura des concours, il y a des trucs à gagner. Alors, je vais vous parler plus de ce qui me concerne, moi. Ouais. C'est-à-dire, pas seulement moi, mais les spectacles sur scène. Je sais qu'il y aura, par exemple, Cody, formidable... comment est-ce qu'on dit? Humoriste, mais je sais même plus s'il fait du stand-up ou pas. Cody, c'est très, très drôle. Il est formidable. Et il est black, donc on est en plein dans l'humour du monde. Tout à fait. Ah, voilà. Non, mais c'est... Alors, il y aura également Sam Touzani qui sera sur scène. Et il est beurre, donc on est à mort dans l'humour du monde. Okay. Et puis, il y a moi qui suis sur scène le 30 octobre et je suis blanc. On est hyper dans l'humour du monde. C'est une espèce de côté United Color of Benetton de l'humour. C'est ça. Et voilà, donc on joue tous dans des endroits différents. La meilleure chose à faire, si vous êtes intéressé, il faut aller sur le site internet, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est humourdumonde.be. Ouais. Et alors, surtout au niveau des prix, parce que je tiens quand même à signaler que pour un festival qui arrive à taper des places à 8€ l'entrée pour des spectacles, enfin là je parle du mien qui est encore un des plus chers. C'est quand même pas mal. Donc ils ont vraiment fort bradé. La commune de Saint-Josse est derrière, le bourgmestre. Donc ils sont bien aidés quand même. Oui, c'est un super, super événement. Donc vous allez vous marrer pendant plusieurs jours d'affilée. Je rappelle le site internet www.humour au pluriel dumonde.be. Il y a un numéro de téléphone, c'est un GSM, on le donne aussi. Ouais, donnez-le. Ouais. 0473, il y a quelqu'un qui va avoir la matinée pourrie. Oui. 0473 400 alors il faut que j'achète des lunettes. T'as pas mis tes lunettes ou quoi? Pas 406 325. Et je tiens à dire un truc, c'est que le 30 octobre, donc c'est le samedi quand je joue mon spectacle, s'appelle Mon cul d'ailleurs mon spectacle. Oui. Ouais, très beau d'ailleurs. Il va très spectacle. Bien, le spectacle, évidemment. Ça va. Et il n'est pas plein samedi. Mon cul, il reste des places pour mon cul. Il reste des places pour mon cul le samedi 30 octobre. Non, mais après, il y a une grosse fête au Claridge. C'est-à-dire que tous ces gens qui ne peuvent jamais rentrer au Claridge parce que les portiers leur interdisent d'entrer, c'est l'occasion. Il suffit d'aller se taper mon spectacle, ça dure pas longtemps, et après, il y a une putain de fête. Et après, t'es à l'intérieur, plus moyen de te mettre. Pour 5 euros, 8 euros maximum, on et est en, dedans. Et en plus, à cette fête-là, ce sont des DJs. Que des filles. Ouais, elles sont top. Bien, hein. Ça. Ah ouais, à mort. Je te commande tout de suite une place pour aller dans ton cul. Quel homme facile. Et puis pour le festival Humour du Monde, il y a des passes aussi. Hein. Il y a des passes. Il y a des passes à 20 et 40 euros. Donc voilà, si vous voulez vous faire un max de spectacles à la suite, voilà, c'est le bon plan. On rappelle le site humourdumonde.be et le numéro de téléphone. On va vous mettre tout ça sur énergie.be. 0473 406 325. C'est à partir du 25 octobre à Saint-Josse à Bruxelles. Merci beaucoup, Patrick, de t'être levé tôt ce matin. Ouais, et d'avoir relevé les défis stupides de Cyril. Bravo. J'ai adoré une fois de plus. Tu et je trouve vos nouveaux bureaux formidables. On est bien. Ah, mais c'est bien parce que les gens ne voient pas ça à la radio. Non, mais vous vrai. Êtes bien installés ici. Ah, on est super bien. Vous verrez ça bientôt à la télé sur AB3. Dès que les caméras arrivent, vous le verrez à la télé. On laisse Belga comme faire son travail. C'est ici, ça. Non, c'est vrai qu'on est bien tranquille. Tu veux une télé, quelque chose pour repartir? Parce qu'on a non, une non, télé en voulais... studio. Ah, je vous en prendrai une. D'accord. C'est cadeau. Chaque invité repart avec une télé. Merci Patrick, on te souhaite une bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Dans un instant, il y a le Starphone qui va arriver. Il est 8h41 pour la suite des hits. C'est Ben l'Oncle Soul qui est là avec Soulman.